Salut à tous, on lance le record plus tôt que prévu parce que des gens savent pas se taire pendant nos repos. Bonjour les gens qui savent pas se taire pendant nos repos. Salut. Alors, moi je veux changer juste avec... je voulais parler de Dieu et l'autre elle a un truc qui se déclenche, c'est pas ma faute. Donc oui, elle a eu de petites loupiottes qui s'est mise à éclairer sa main et elle a eu mal. Attends, on est dans un top de char, hein. C'était quoi? Ouais. But it passes quickly, usually. The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. Ah, mais c'est peut-être un bisou magique. Le Shark nous parlait qu'autre chose. Ah ouais, je vais lui faire un petit bisou magique. Allez. I don't think so, but you're sweet to ask. Ouais, je sais. Maybe just be patient the next time you see me wince or cry out. It'll pass quickly enough. It always does. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. Allez, encore des sadomaso. Ouais, là je suis moins motivé, hein. Ah bah si. Et sinon, ouais, il fait pas chaud, hein, en ce moment. Non, je dis, il fait chaud en ce moment. Ouais, c'est ça, mais je suis. Ouais, c'est ça, tu dis. Ouais. Ah, réchauffement climatique, hein, c'est une chose. Oh, allez. I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. Les restes de Talos. Oh là 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 là. T'as vu dans quoi tu nous as lancé, hein? Mais ouais, mais bah, c'est vrai, ouais, j'ai envie de parler. Ah bon? On est pas d'accord, Talos et... I'm not sure I'd agree, but very well. What do you want to know? Ah, comment elle juge? Ah ouais. Oh, on s'en fout, hein? Oui? Ouais, hein? Ouais, il fait pas chaud, hein? Bon, bah, bonne nuit. Allez, hop. Ouais. Gail, maintenant. Ouais. Gail? Good evening. I'm here on behalf Allez, of Gail of encore Waterdeep. Une petite romance. He wishes to extend you an invitation for a private conversation in a more suitable locale. Gladly. Oh. Simply follow yonder path and soon you will find him. Poison, hein. Oublie pas le poison. Je suis censé le suivre, mais je sais pas où il faut aller. Que gratouille c'est. Y'a un truc par là? Non. Ah, une dent rocheuse. Et que coco, toi. Ah, faut parler à Arabella. Où est-ce qu'on est censé aller là? Je sais pas. Alors, on est censé faire dodo? Bah non, il est dissuadé là. Est-ce que ça a pas bugué parce qu'il y a quelqu'un qui était en train de choisir les trucs du camp? Ah oui, il y a potentiellement des chances que... You did. Wow. Bon. Arabella, elle veut pas me parler. Arabella, tu lui as dit que ses parents étaient morts. Bah, ils étaient morts. Enfin, ils le sont toujours, notre, mais voilà. Bon, du coup, dodo, enfin. Attends, faut reparler à Gail, je pense. Good
Good evening. I'm here on behalf of Gale of Waterdeep. He wishes to extend you an invitation gladly. Qu'est-ce que j'ai en train de faire? Simply follow yonder path and soon you will find. Suivre ce sentier, vous arriverez jusqu'à lui. Non mais je pense qu'il faut que ce soit ça va être une quête de long rest. Ouais c'est ça, il faut faire un long rest. Donc parle-lui, on choisit les non mais ça c'est Atemir qui va le faire parce que c'est lui qui gère les provisions. Ah c'est lui qui va se faire prendre le... Mais c'est quoi, c'est ça que vous voulez faire? Ouais. Comme ça, s'il y a de la baise, ce sera pas pour ma gueule. Ouais, c'est ça, j'imagine bien, c'est les gros dégueulasses qui envoient la fille. Ah, quoi ? Manifestement, c'est exactement ce qui est en train de se passer, hein. Moi, je voulais pas Ken avec Gale, moi. Allez. Ah, là, c'est mal parti, hein, vraiment. Ah, t'inquiète, je peux toujours lui foutre un coup de pied dans les couilles. Alors. Très important, le plan, hein, bien sûr. On parlera du plan sur Tombouti, ouais. Il y a pas longtemps, on était dans un temple, et là, on se retrouve au milieu de la forêt. Ils sont dans la forêt, nous on est dans le temple. Hein. Eh bah. J'ai l'impression que tu vas lui casser la gueule. Mais non, on va frolic, tout va bien. There's an almost reverent silence that accompanies the peak of darkness. When you'd almost believe the dawn will never break. The cradle of eternity. The timelessness of lovers. La plus beautiful of fantasies. I wanted to see you. While I still could. Lui, il est au taquet, hein. Qui, peu importe qui lui parle dans le groupe. Maybe my last night alive. Il a faim. Ah, pour en plus, c'est un peu un pervers narcissique. Ouais, je vais bientôt mourir. Bientôt la fin. Ah, vite, j'ai besoin que quelqu'un m'aide. Je n'ai qu'un seul vie, oui. Si ça se trouve, j'explose demain, faut que quelqu'un m'aide pour ne pas exploser. Voilà. Il faut libérer de cette puissance. Écoute, tu lui dis, mais s'il vous plaît, juste, j'ai pas envie de mourir. Réponse 5. Ah, oh, bah si, c'est horrible de. Ouais, vas-y, c'est bien, vas-y, fais-toi péter la gueule. Ah, c'est trop. Ah, j'hésite à dire. Non. Fewer than if the absolute goes unchecked. I don't want to kill. And I don't want to die. But inaction will lead to bloodshed all the same. I am terrified. I will not claim otherwise. My face could scarcely conceal it, even if my words sought to deny it. There is no point in running from the inevitable. Better to meet it on my own terms. Allez. I can feel it. Ever since we set foot in this strange, corrupted land. The closer we get, the heavier my own heart becomes. Stay with me a while, will you? Day will come all too soon, even in this place. Oh la réponse 2. Vas-y, tu lui ma voix chigiri mentale là ou pas. De toute façon, on a dit qu'on l'aimait pas, Gail. Good night indeed. The fairest I can imagine. Il manque les criquets là. J'imagine. Ouais, c'est ça, c'est ambiance. Oula. Qu'est-ce que... Hein, tu feras gaffe, t'as un truc, je crois, dans l'estomac. Ah bon? T'avais pas une espèce de halo rouge autour de toi? Oh, y'a le chien qui veut nous parler.
Oh, je lui parle. C'est parti. Non, pas aussi. Je lui parle. Ah, oh, oh. Ah, tu vois, c'est pour ça que je lui parlais. Ah, tu vas voir, il va te filer juste une cuillère. Tendre la main. Mais non, il suffisait de tendre la main. T'inquiète pas. Ouais. Il aura même pas vu que je lui ai pris. He gives in and surrenders his find to you. J'ai gagné une potion de soin. Non mais c'est comme si t'avais pas déjà assez. J'aime cette potion de soin. T'avais pas besoin de lui voler, hein, il suffisait juste de tendre la main. Ni ni ni. Tout ça parce que tu volais la potion. Mais non, fallait juste. Il c'est un bon dogo. C'est vrai. I don't believe it. They can't be. Breathe, child. Resist not. Ah, tu vois qu'elle va me reparler, la petite. Let them carry thee. No. Listen, dost thou not hear it? Where creation meets ruin, where morning meets midnight, the root of all being, balance. They're dead! I can't! Balance. Your very soul is tangled in shadow. Arabella's magic, wild as cursed briar. Un sanctuaire comme ça, si jamais tu te fais meuler la gueule, je pourrais toujours te claquer ça pour éviter que tu te fasses défoncer. But she shan't remain here. The weave knows her purpose. It will guide her plainly if she listens. Arabella holds a power beyond reckoning. That of the decaying forest and the seedling that bore it. But it is unbalanced. Her yoke is already heavy. If she walks thy path, it will surely break. Arabella will depart once thou dost leave these accursed lands. She will find her way safely. Thus, it is fated. Bowman, you're making me leave. Fear not, girl. Abandon not the weave, and it shall not abandon thee. Fais confiance au vieux monsieur en robe, ne t'en fais pas. Même si c'est un mort-vivant. You feel the grief fade as if it were your own. There is a lightness in her now, veiling the power within, soothing it. Is that my future? Is that why they died? It is. It's wonderful. Thank you, Bowman, for being nice. If there are people like you around, perhaps everything will be all right. Eh ben, j'aime bien. C'est pour ça que mes parents sont morts. Ah, oh, c'est génial. Oh, trop cool. Mais non. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord. J'aurais pas dit cool moi, hein, personnellement. Ouais, non, c'est ça. Eh ben, très bien. Bon bah. On va y aller, hein. Alors, j'ai gagné Enchevêtrement de l'ombre d'Arabella. Voilà. Ah ouais. Voilà. J'ai gagné l'âme des ombres. Voilà. T'as gagné l'âme des ombres ? Ouais. What ? Un anneau qui me donne l'âme des ombres. Voilà. Ah ! Hein ? Mais où ? Ça c'est marrant, voilà. C'est pas dans le... Ah, t'as quitté le camp ? Non, maintenant j'ai quitté le camp. Alors moi je vais me TP parce que j'ai... Paf. Ah oui, c'est vrai, on avait fait un épisode de vente. Faut se TP où maintenant ? Gantelet de char. Temple des épreuves de char, ça.
Non, Gauntlet Chart. Ah oui, je sais pas comment ils ont traduit, effectivement, pardon. Autant pour moi. Du coup, on devait aller à l'épreuve du saut de la foi, c'est ça? Ouais, attends, je vais chercher l'ascenseur. Allez, on va sauter. On va sauter, c'est vrai. Okay. Ouais, tu te rappelles que moi j'ai Featherfall? Oui, c'est une... Je lance Featherfall dans 5. Non. 4. 3. 2. 0. J'avais des petites jambes. Moi je suis toujours au bon endroit, hein. Pourquoi vous avez juste pas quitté le camp? Parce que on allait se balader, nous. Sinon on était vendre des trucs. On a encore des trucs à voir là où on est. Oui, mais on a été vendre des trucs. Attendez, est-ce que vous avez vu que je me suis pris au plafond ou pas? Non. Alors, moi je viens de remarquer un truc, c'est que j'avais un bonus de plus 5, donc j'avais des sorts équipés supplémentaires, là j'en ai retiré un, et du coup bah je peux pas le remettre. Bon, triste. Ce que je vais faire, c'est que j'ai des sorts en plus. Comment? Ouais, j'ai plus de sorts que je n'ai de d'emplacement normal. Alors. C'est une bonne chose. Épreuve du saut de la foi. T'as pas. Ce qui est bien, c'est que t'es censé être dans les ténèbres, mais moi, comme j'ai la vision du diable, en fait, je vois à peu près par où il faut marcher. Alors, moi, je l'ai pas, mais je vois quand même le chemin. Ouais, ça va. Mais... Alors, c'est bon, alors, on s'en fout. Ça, mais bien. Je me demande si c'est pas bugué parce que. À mon avis, ouais, de. Salut! Après, en même temps, s'ils ont prévu le truc pour que ce soit fait comme ça, c'est pas plus mal parce que c'est vrai que là, si tu dois t'amuser à te balader dans la pièce, bon, ça doit être long et chiant. Par contre, je sais pas ce qu'il faut faire quand on arrive en fait. Peut-être tirer la chevillette de. Je sais pas moi. Non, mais parce qu'en fait, t'es censé lui causer au truc. Ah, mais t'as pas parlé à l'hôtel toi? Non. Eh ben, reviens, hein. Ah! Je peux pas. Mais non. Ouais, alors ça veut dire que ça va pas être toi qui va faire l'épreuve, hein. Pourquoi? Mais t'as un PV, mec. Oui, mais attends, regarde, Oh, waouh, la magie. Regarde. Est-ce que tu t'es déjà heal? Divine. Est-ce que tu t'es déjà heal de 54 PV d'un coup? Je ne pense pas. Ah, ouais, regarde-moi ça. On voit que t'es MJ, hein. Là, le pouvoir du MJ. Hein. On est en train de recharger. Putain, j'étais là, attendez. Je viens de poser à la statue, il y a un chargement, je t'avoue, ça m'a fait flipper de ouf. Tac. Ah, t'es mire, qu'est-ce que t'as fait, merde? Franchement, je t'avoue, j'étais en train de paniquer intérieurement. Oh non, pas encore. Qu'est-ce que j'ai voulu? Fuck. Bizarrement, vous disiez rien, donc j'étais en mode. Quoi, faut parler à l'hôtel ancien? Ah, mais lui, il est déjà en train de lui parler, c'est pour ça que j'aurais pas lui parler. Il va encore casser le jeu. Fais un battle de regard avec la statue, sûr que tu peux regarder, tu peux gagner. Un peu de sang, je retrouve pas les veines du poignet, t'es totalement taré. La main. Je viens de couper sur mon gameplay, il s'est rien passé. Ouais, c'est exactement ce que j'avais. What am I supposed to do? Allez. Il y a que toi qui fais ça ou... Pourquoi je peux pas rentrer, moi? Ah. Attends. Est-ce que ça va pas casser l'épreuve? Mais non. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Après, il y avait un levier à côté, à mon avis, ouvre la porte. Mais t'es con. Ah là, avec le truc, là, je vois pas plus trop là où il faut marcher. Eh bah, t'as une bonne mémoire? Absolument pas. Je préfère Je préfère sauter sur là où il faut. Est-ce que ça va marcher surtout? Tu veux pas envoyer le moine plutôt? Si, bah vas-y le moine. Vas-y, oh, c'est. Savoir où faut aller. C'est ésotérique et tout, tu vas aimer. Tu vois que je peux faire ça comme ça? Justement, oui. Oh. Ah oui, et après tu vas où? Bah non. Justement, je vais là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Tu vas crever, hein? Si moi je saute par là, ça fait quoi? Pourquoi je vais crever? Tu vas si, hein, je te laisse. Enfin, je reviens, tout va bien. Non, il y avait deux. Oh. Ah, manifestement, non. Ah, voilà, tu vas crever. Adieu. Ah, mais t'avais deux petites lumières de chaque côté de la bonne femme. Attends, tu sais quoi? Je vais ressusciter d'un coup là.
Oh, la magie du MJ encore. Ouais, c'est dingue. J'ai pas tout compris, là. T'avais deux petites lumières à côté de la statue, et si tu sautes, t'es considéré comme perdu. T'as une chance complémentaire. En fait, t'as deux chances, quoi. Ouais, c'est ça. La première, ça te met à 1 PV. Si tu te reviandes, tu souffres de décès, quoi. Il est mort pour cause de décès. C'est ça. Tant. Mais du coup, comment est-ce qu'on résout cette énigme? Voilà. Ah, mais je le vois vraiment plus. Autant, à un moment, je l'ai vu au début, mais là, je le vois vraiment plus. Et moi, je vois des morceaux. Ah, mais fonction de... Attends, mais vous êtes dans la salle ou pas, là, tous les deux? Ouais. Ok, là, je vois des morceaux. Et là, en gros, tu peux pas tricher à sauter sur les plateformes. Ça te dépaie et ça compte pas. Il faut vraiment que tu fasses le chemin de la foi, là. Ouais, t'es obligé de... Mais le début, tu le vois vraiment plus, quoi. Moi, j'arrive plus à voir le début, en tout cas. Autant le fond je l'ai, autant le début je l'ai pas. Pas moyen si on casse Darkness ou quelque chose comme ça. Parce que c'est... Oh là. Oui, mais sans bouger, elles apparaissent de temps en temps, les trucs. Marda, on se rapproche. En fait, c'est... Ah, bah non. Non, mais c'est parce que... En fait, faut se reculer. Quand tu te recules, elles apparaissent, les trucs. Quand tu recules. Oui, recule. J'aurais tenté, Bah, moi j'en ai quelques-unes qui apparaissent, mais. Ah, mais ouais. Regarde, moi t'es prêt, moi. Faut juste aller plus loin devant. Après, tu fais une jolie capture d'écran et on en parle plus. Le saut de la foi, le screen de la foi. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, mais là vous êtes rapproché là. Alors, je veux. J'ai pas eu le temps de faire la capture d'écran. Allez, je. Voilà. Hop là. Bon, on laisse le manque le faire et puis voilà. Alors. Voilà, capture d'écran sur un autre écran. Voilà. Après, si tu jumps. Non, je peux pas jump, on est dit. Bah non, mais faut pas que tu jumps sur les plateformes. Tu peux jump sur les tuiles noires, mais tu peux pas jump sur les plateformes. Ah bon? Ouais. Ah, ça change tout, attends. Attends, elle est où le truc? Ah, mais là, t'es trop près, Katox. Ah mais c'est pour ça qu'on voit rien, c'est parce qu'on est en train d'avoir... Parce qu'en fait on émet de la lumière autour de nous. C'est pour ça qu'on voit rien. Mais on émet quelle lumière? Mais avec le blessing de Selune là, on a de la radiance autour de nous et c'est pour ça qu'on voit rien. On n'a plus le blessing. Ah moi je l'ai. Hein. Si, on l'a tous. Bénédiction de la pixie, bénédiction de Selune, on a les deux hein. Ah. C'était un échec, attends. Je crois. Ah, attends, je les vois, je les ai vus. Allez là. Ah, voilà, c'est bon. Non, mais tu vas. Là, ensuite c'est là. Ensuite c'est genre là. Faut aller sur les trucs de Darkness ou pas du coup? Non, tu vas pas sur les plateformes, il faut que tu restes sur les tuiles, les dalles noires de fumée là. Attends, comme t'es bien avancé, avant que tu t'avances. Il faut que j'aille jusqu'au bout là. Ouais. Bah ouais. Attends, faut aller là. Hein. Oui. Ouais, ça. Oui. Okay. Ah. Oh, j'ai 4 par chaud. Hein. Ah. Moi aussi j'ai 4 par chaud. Non, mais c'est pas grave. C'est quoi? Vas-y, je vais faire ça en sautant. On va moi se faire chier. Je sais où sont les trucs. Je vais faire ça en sautant. Moi, cette épreuve, je l'ai pas trouvé foufou. Hein. Je vais pas mentir que c'est... j'ai fait la même. J'ai fait des. Peut-être ce que je dis, j'ai pas essayé de caster des trucs de genre Darkness. Donc peut-être que si tu castes Darkness, ça se fait apparaître le chemin. Je sais pas. Vas-y, je peux essayer. Hein. J'ai des flèches qui font Darkness. Attends, vas-y, c'est quoi? Hop. Tu prends l'orbe et il va. J'essaye. Tu peux cliquer. Non, tu peux cliquer sur l'hôtel là normalement. Ah ouais. Ouais. Des
fin. Heureusement que je peux faire des sauts de... jusqu'à Mathusalem. Hein. Après, sinon, on avait Misty Step. Hein. C'est vrai que je suis en train de penser à ça maintenant. Oui, c'est ça. Je... Oui, oui. On aurait pu faire un Misty Step. En fait, c'est vrai que. Bah, non, Misty Step, c'est pas, c'est que 18 mètres. Par contre. Alors. J'ai Dimension d'or en fait à partir de. Ah, là, bah oui. Oh oui, c'est vrai qu'on aurait pu faire ça. Alors, il y a une bibliothèque du silence ensuite. Et ah oui. Ouh, il y a une grosse orbe au beau milieu. Et c'est quoi le truc que j'ai ramassé en fait? Ah, c'est une bouboule. Ok. On a eu une orbe pour la suite. T'as sauvegardé ou pas? Oh, attends. Ah bah on peut pas lancer de sort. Bah ça tombe bien, j'ai pas de sort. Ça tombe bien, j'ai que ça. Il y a des mobs. Réduit au silence. Mais non, t'as pas une arme avec. Alors moi je suis la nuit. Comme les tribuns de la nuit. Mais t'as un truc là, le centre. Bah en fait faut. Tu butes le bibliothécaire et il bute le roi de silence, parce que c'est le bibliothécaire qui impose le silence à tout le monde. Ouais, mais c'est toi qui peux lui faire le plus de dégâts vu que tu fais des dégâts de force, et je crois qu'il est résistant à tout sauf la force. Oui, tu veux dire avec un sort. C'est qui le bibliothécaire, il est où? Effectivement, effectivement, ce détail m'avait échappé. Ah, c'est lui là? Bah attendez, je vais essayer d'aller le tapoter. Attends, mais je suis en combat moi, vas-y j'y vais. Hein. Examiner. Bah, Immunité contre nécrotique. Tonnerre, psychique, poison, vulnérabilité aux dégâts radiants. Oh bah attends une minute. Attends. Si jamais là il y a un bouton là. Attends vas-y je lui tape dessus avec ma hache. Non mais laisse-moi les. Bah oui mais regarde. Sinon je lui balance une petite bombe. Hein. On attend que vous ayez tapé comme ça. Ah merde je peux pas même ça s'il veut pas même pour attends, faire. Attends. Hey. T'as eh oui, oh. Attends, je peux le retaper. C'est bon? Ah là, la magie du spectacle. Après, le problème, c'est que maintenant, tous les mobs, ils peuvent lancer des spells maintenant. Oui. Oui, mais moi aussi. Alors, moi aussi. Oui, mais je t'avoue que je préfère qu'on soit deux à pas pouvoir lancer de sort, plutôt qu'ils soient six à pouvoir lancer, quoi. Ouais. Mais regarde, de toute façon, ils ont des épées, des arbalètes... Ouais. Balancer de sort. Voilà. Ouais. Une bonne chose de fait. Mir, il est juste derrière un justice, un tribun. Ouais, allez, allez, ils m'ont vu. Je pense que je vais faire. Ah, non. Oh. Tu peux pas lui rejeter la flèche dans la tronche? Oui, mais ça coûte du ki. Hey, oh! Tout ça pour ouais, ça. Il a bien fait de se rapprocher du tien. Ouais, son Misty Step a été. Savamment utilisé, je trouve. Il y a des boutons, mais je sais pas à quoi ils servent. Ils sont piégés, cela dit. Alors, moi, je suis pas encore rentré en combat, hein. Bah ouais, c'est quand tu veux, hein, parce que là on a tous... J'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus paquets en vrai. Oui, mais ça, on va rien pas pouvoir pour toi. Hein, Alors, je peux technique. Ouais, non, ils sont vraiment trop éloignés les uns des autres. Après, on peut essayer de tous les. Ah. Oh. Alors. Oh, ils résistent à plein de trucs, hein. Mind toi, par contre, parce que. Tes jets de. Fais des jets de stealth là. Ah, du calme. Oh, je l'ai même pas fini, il lui reste un PV. Oh, c'est bien, ça va être pour moi ça. Ah, il faut boire les élixirs. Et... Oui. Et bah, dès qu'on fait un le rebond. Mais j'ai compris. Ah, bah, là, bon, sachant que je suis un asthmatique sans. Hey! Laissez-moi le gars au milieu là. Waouh! Laisse-moi le gars, t'as pas de PV, s'il te plaît, là. Le mec a un PV, là, je sais pas quoi. Mais t'as pas ton élixir? Ah ouais, c'est une action bonus? C'est une action bonus, l'élixir. Après, lui, c'est pareil, hein, il a 15 PV, donc...
Ça prend autant de fois que tu tues des gens ou c'est qu'une fois par tour? Une fois par tour, malheureusement. Ah, donc ça veut dire que je peux finir celui qui est là? Ouais. Bah, tu l'as tapé ou... Non, j'ai tapé celui qui était à côté de moi. Ah d'accord, ok, parce que j'ai cru que mon action avait servi à rien. Oui, mais ça... Oui, non, oh, ouais, si je peux... Non, c'est... Non, j'ai l'impression que t'as tapé sur ce... Je comprends. Non, non, j'étais sûr. Non, il a tapé un autre. Ah non, d'accord, oui. Et deux mecs en un même tour. Putain, mais il y a tellement de pièges partout, c'est fou. Il y a des pièges dans les livres, c'est nul. Les livres sont piégés. Oh. Ah, et là, ils sont paqués. Ah, bon. Ah, là, ils sont paqués. Tu peux retirer hein, le truc qui les fait partir en arrière. Dans tes passifs. Bon, mais je vais pas, je vais tirer. Ah non, tu veux garder celui qui a 17 PV, c'est ça? Ah non, tu peux le tuer celui qui a 17 PV. D'accord. It's something. Bon, ça entre. 2 PV, c'est. Oh bah ils viennent à toi, c'est bien. Il m'a loupé, j'ai fait. T'avais pas de réaction? Bah ça m'a pas proposé. Bon. On va s'occuper de... Ah bah super. Il est au sol. Il y a un autre perception que j'ai fail. Là où je suis, il y a un autre jet à faire de perception. Mais c'est sûrement parce qu'il y a un truc qui est piégé. J'arrive. Trap. Il y a un bouton. Je crois que le bouton est piégé. Oui. Ouah, c'est un détail. Arda vient t'envoyer un bouquin. Bon après c'est piégé, faut faire 14, c'est pas compliqué. Attends, s'il y a moyen, c'est vraiment trop fort. S'il y a moyen de quoi? Ah non, dommage. Je me demande si juste en cliquant sur les boutons ça fait comme ça. Next time's the charm. Je pense que les looters fous ont déjà fait tout le taf. Oh pardon, je regarde. That's not going to work. Je regarde, je crois que les justiciaires sont tous lootés, ouais. Sinon ça sert à pas de crocheter directement l'air sans faire. J'espérais secrètement que désarmer les boutons ça allait enlever les pièges des bouquins. Conception fail. Ah bah je suis obligé de le use le truc. Bah, je vais pas use le bouton alors c'est pas grave. Après c'est un jet de difficulté. De fait. Oh, il y a un levier. Face à gaz. Bon. L'énigme de la nuit. Attends, les bouquins que j'ai. Enseignement de Charles Néant. Hop. Something over there. Oh,
J'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose. Mais j'ai loupé un check d'abord. Oui, c'est les pièges qui sont là et là, je crois. Ok. Ah, vous avez vous avez activé piège. Là, j'ai désarmé deux fois de suite et c'est là. Là, c'est bon, de ce côté-là, c'est désarmé. What can silence the night song? Oh, que 17, vas-y. Qu'est-ce qui se passe si j'interagis avec l'apaisement de char? Je lâche tous les pièges et on est tous morts, c'est ça? Alors, de toute façon, là, les pièges. Non, j'ai fait. Il est en train de tous les activer, donc il va pas se passer grand chose. Oh là! C'est des tentacules, non? Ouais. Ce n'est peut-être pas le bon moment, voilà ce qui se passe quand j'active. Tentacule noir, donc c'est pas. Et il y a l'énigme de la nuit au milieu. Alors j'ai lu un bouquin sur l'énigme de la nuit, où est-ce qu'il est passé? Voilà, c'est bon, tous les pièges. Je t'ai filé tout ce qui était lootable, j'ai mis les bouquins tous dans ton sac. Le tribun de la nuit, le sacrifice ultime de la fille de la lune, les couilles. Partie des bibliothèques interdites au public, ouais. Tome de l'épreuve du dédoublement, c'est quoi ça? Du pas léger, la foi, le goût du secret. Bon, je clique sur le machin au milieu là. Bah, je clique sur le machin au milieu. Pour insérer un objet. Ah. Bon, la porte s'est refermée. J'ai cliqué sur un levier. Ah. La porte s'est refermée. Vas-y, tu peux cliquer sur le truc au milieu. Alors, qu'est-ce que j'insère là dans le piédestal? Et c'est moi, je vais foutre mon orbe dedans. Ah. Non, je suis pas sûr. What can silence the night song? Qu'est-ce qui peut réduire champignons de science? J'ai lu un bouquin là-dessus. Bah oui, je l'ai envoyé tout à l'heure. Ah oui, mais je sais plus où il est, on m'a envoyé plein de bouquins. Je sais pas que j'essaye de mettre ma gemme dans le champ. Seul le chant nocturne en personne, notre déesse Char, la maîtresse de la nuit, la dame de l'égarement, si on lui donne bien des noms. Son credo, la simplicité incarnée, la lumière est une erreur et la vie une illusion, un chant discordant composé de mensonges qui troublent la paix de l'oubli. Remettez-vous-en à Char, elle fera taire la fausse mélodie qui corrompt votre cœur et vous ramènera dans son giron salvateur. Le néant est tout ce dont vous avez besoin, la matrice éternelle où vous serez en sécurité dans les ténèbres aux côtés de Merfa. Bien sûr. Alors le néant, est-ce que du coup vous ne pourrez pas mettre un bulbe du vide? Alors là, je peux, j'en ai un si tu veux. J'en ai un aussi, on peut essayer. Je peux tenter une zone de silence, mais je suis pas sûr que ça fasse quelque chose. Mais allez, attends, hop, le bulbe du vide, tu veux qu'on essaye? Allez, paf, essayons. Hein? Ah bah non. Je tente la zone de silence. Vous voulez pas que j'essaye de mettre ma gemme que je viens de récupérer là? Vas-y, essaye ta gemme hein. Ça marche pas. C'est pété. J'ai mis une perle, ça marche pas non plus. J'ai eu une lanterne. Vas-y, mais il est verrouillé, je suis sûr que ça va marcher. La lanterne, ça va pas marcher. J'ai mis un caillou. J'ai un cimetière de titillard. Pas plus. Bon, bah je sais pas. Ah bah c'est un objet hein, Katox, vu que t'as un truc à insérer dans le truc du milieu. Y'a pas un truc sur la bibliothèque? Oh merde. Ah bah l'objet nécessaire à la quête, Ardal. D'accord. Bah, je sais pas ce que c'est moi. De l'eau. De l'eau. Le feu, un fantôme. Bah... Ce serait pas un bouquin genre. Une bouteille vide. De l'huile. De l'huile. Mais ça doit être un des bouquins que t'as, non? C'est effectivement un des objets qui était dans cette pièce-là, qui doit être utilisé pour Stenny. C'est ça, il y avait que des bouquins de toute façon. Ah bah, enseignement de Char, le néant. Alors ouais, qu'est-ce qui peut la faire taire, le néant? Bah tu mets enseignement de Char, ou le alors néant. Teaching. Ouais mais ça doit être un des teaching. Alors? Bah la porte s'est fermée donc c'était... Ça semble pas prometteur. Ça
Par contre, pourquoi je suis coincé? Ah, je suis coincé dans la porte fermée. On peut rouvrir la porte, s'il vous plaît? Oui, ben minute. Éclairagiste. Michel. Bon alors, qu'est-ce qu'il a d'autre? Trimal de la nuit, sacrifice humain. Récupère le bouquin, tu... Allô? Ouais. Quatre leviers sont posés à ce mur, à ce mur. Ok, bon d'accord. Tome de l'épreuve, non. Tome de l'épreuve du pas léger. Tome de l'épreuve saut de foi. Oh bah, moi je vois pas, hein. Non plus. Ouais, c'est... Si je peux te donner la solution, mais... Non, attends. Là, on a ramassé... Facelip, c'est celui qu'on a fait, donc on s'en bat les couilles. Mais c'est pas Closed Library Section, juste? Bah non, ça c'est la manière de retrouver... Ah oui, c'est celui qui te dit comment... Je crois que c'est celui qui dit qu'il faut appuyer sur le bouton sur le bouton au nord-est pour ouvrir cette section-là de la bibliothèque. What can silence the night song? Might not be the time. Ça me saoule, vas-y, donne la réponse, j'en ai mais marre. Mais non, attends. Et non, mais... Mais t'as là... genre tes bouquins c'est... Mais non, j'en ai pas 4, j'en ai plein des bouquins. Il y en a 14 000. Non, mais... Oui, non, mais ceux qui étaient dans... Ceux que t'avais dans la pièce, attends, je te dis les seuls, trucs. Les seuls qui sont intéressants, c'est les teachings, les autres, c'est... Parce que je veux dire, le teaching, le Tome of the Leap, of the Faith Leap, c'est le truc qu'on a fait tout à l'heure, là. En fait, t'as des tomes des épreuves de char, et ensuite t'as les tomes d'apprentissage, et ça va être les tomes d'apprentissage qui vont être importants. Et il faut juste trouver le bon, faut juste les lire pour savoir ce qu'il y a dedans, c'est tout. C'est pas non plus sorcier, quoi. On va pas aller regarder le cheat code juste parce que Mulmire il a fait le jeu. Ah, c'est un truc qui bouge. Le champ nocturne. Qu'est-ce qu'il peut... Bah, Night Song, c'est un truc de Céluné. Donc le bouquin de Char, c'est ça qui casse la gueule à Céluné, c'est Char. Mais pourquoi Céluné a le Night Song alors que c'est vraiment... Ah. Hein? Non, mais voilà. Demi-plate de Trimal de la nuit. Mais depuis à chaque fois quand on a cherché la relique Chante Nuit, on était dans un temple de Céluné dans l'acte 1. C'est un truc qui est lié à Céluné. Ah quoi, parce qu'il faut avoir de la mémoire en plus. Ah bah ouais, un peu. Ouais. Oh là là. Le porteur bénéficie d'un bonus de plus 1 au jet de sauvegarde contre les sorts. Critique à couvert, tant que c'est dans une zone où la visibilité est nulle ou réduite, c'est le résultat de... que vous devez obtenir au dé pour que vos attaques se réduisent par un coup. Critique réduit de 1. Mais c'est une armure intermédiaire. Ah, niquez-vous. Moi je viens de dropper une spire là, mais... Pas fou, hein. Le gameplay, genre, parce que t'as tout un stuff pour jouer avec justement les ombres et tout, être obscurci. Franchement, je le trouve. Faudrait jouer le moine là-bas. Un rogue, quoi. Ouais, ou un rogue. Non, même pas. Hein. Franchement, les stuffs de moine de base sont plus intéressants que tout le build de la ombre. J'ai monté Astarion là en moitié moine des ombres et ça. Et franchement. Pas ouf, hein. D'ailleurs, la voix des ombres, ça me fait marrer parce que entre toi qui mets 40 milliards de tartines en un tour et la voix des ombres, la voix que t'as toi est plus... Ouais, elle est badass, hein. Attends, il tape combien de fois par tour? Sans popo, 4. Sans popo, si je tue quelqu'un, je tape 4 fois. Ouais, c'est ça. Bah après, faut que je tue quelqu'un, tu vois, genre... Oui. Alors, vu le nombre de fois, t'as pas des soucis pour toucher les... Attends, ouais. On a tout fait. Non, mais après, si j'ai... Enfin, bah, on a fait les deux. Ouais, alors venez, faut qu'on remonte à l'étage. Bah du coup, là, c'est ça. L'ascenseur. Ah oui, l'ascenseur, non, ça marche. T'as raison, il y a un truc là. Oui, bah on peut passer par là, en fait. Je sais pas si c'est le même. L'ascenseur, oui, ça mène au même endroit, mais là, on a un petit panorama et tout, c'est joli. Non, bah après, c'est plus... c'est toujours pareil, tu vois. Là, on joue à 4.
il faut juste se coordonner autour. Tu vois, moi, si mon élixir, c'est il faut que je tue quelqu'un pour pouvoir être plus efficace, bon, bah, faut juste s'arranger pour que je bute un gars, j'attends. Mais ah, je pense que c'est effectivement l'élixir qui est le plus opti pour les moines, parce que je lui ai mis le celui qui augmente les crits, et bon, c'est un échec. Hein. Sa miséricorde la plus sacrée. Bonjour. Épreuve du dédoublement. Ah bah là, ce qui est cool, c'est que t'as le bouquin. Hein. Bah, c'est toi qui as le bouquin, non? Ouais, faut que tu le bouquins. C'est self-save. L'homme de l'épreuve du dédoublement. Alors. Un livre poussiéreux visant à aider les disciples de Char à contenter le chant nocturne en réussissant l'épreuve du dédoublement. Pour ce faire, les initiés doivent vaincre leur image miroir sans pour autant s'en prendre aux autres sous peine d'être pénalisés. Ah, pour buter sa propre image miroir et c'est tout. Quoi. Et ouais. Pas celle des autres. C'est ça. Moi, je vide les squelettes. Vous voulez que je clique sur le truc? Bah ouais. C'est toi qui tabasse, hein. Qui est le plus de PV, donc si tu veux, c'est moi qui fais le. Ah, ok. J'aime trop. Comment dire, l'implication de Atemia. Allez, je clique sur l'hôtel, je me coupe les veines. On est tous en. Pourquoi t'es pas en. Ah, c'est parce que t'es pas encore venu, Arva, c'est ça? Perception. Ça sent l'embuscade. J'ai trouvé un nain, j'ai trouvé le demi-elfe. Ah, ça c'est toi, t'es au-dessus. C'est qui ça? Ah, ça, mais c'est oui, toi. Mais en fait, je suis bloqué dans la porte. T'es bloqué dans la porte. Quoi? Je suis bloqué dans la porte. Atemir, toi t'es à l'étage. Attends, j'arrive, je viens tout à l'heure. C'est un truc d'elfe, ça, hein, j'ai l'impression. Mais je vois pas le double d'Arda. C'est culturel. Il est pas là, il a pas le debuff, il est pas dans la zone. Ah, d'accord. Je vais peut-être me mettre sur le côté, alors au cas où il me pop sur la gueule. Et toi, c'est de l'autre côté, Mudmir. Ouais. Ah, le levier, c'est pour annuler la truc, alors que là, moi, je triche. Attends, par contre, tu pourras pas te battre, hein, Arda, de toute façon, t'as pas le truc. Mais comment ça se fait? Alors j'étais rentré dans la pièce et Oui, mais c'est comme moi tout à l'heure, t'étais pas vraiment rentré dans la pièce en fait. Par contre, c'est lequel mon... C'est relou ça, c'est lequel mon image miroir à moi? Lui, il a un lutte dans le dos. Oui, mais elles ont tous les deux un lutte dans le dos, c'est ça le problème. Ah! Il y en a un qui a une spire et il y en a un qui a quoi? Il y en a un qui a rien. Undead Ward, attends, regarde là, il y en a un qui a un buff Undead Ward Aura. Ah d'accord, bah voilà, c'est forcément l'autre. Celui-là hein. C'est Katox. Ouais, bah je vais faire le tour. Là. Attends, non, le celui et lui, centre, bah, regarde. Lui, il a le buff de ton armure. Ouais, Cat's Grace. Bah. J'y vais alors. Paloum, papou. Pourquoi il a un loot alors? Oh putain, je peux pas accéder au. Parce que j'ai un loot dans mon inventaire. Ah, c'est ça. Donc moi je suis là au-dessus. Tu peux accéder au nain? Pourtant et moi je peux y accéder hein. Alors oui, non mais si j'accède au nain, je déclenche la... Je rentre dans son aura, j'aimerais le surprendre pour lui taper dans le dos sans qu'il soit au courant. Moi je pense que je peux essayer de jumper à côté de mon perso. Vas-y, je vais essayer de... T'interromps pas. Ah, il est surpris. Attends, je vais essayer de passer par là. Je ne fais que passer. Oh yeah. Je n'existe pas, je suis une saucisse. D'accord, ok, j'ai failli mon truc, mais ça n'empêche que j'ai réussi quand même à... Bonjour. Ah, ça m'oriente. Pareil du Seigneur Jésus. Tiens, prends ça. Oh, il lui reste 2 PV, j'ai le seum sa mère. Ah non, comment t'as... Pourquoi t'as pris autant de dégâts? Moi j'étais pas full vie avant le... Je crois que je peux le lancer dans le vide. Ah ouais? Avec la télékinésie. Il lui reste un PV, ça fait chier. Ah bah voilà, c'est bon, il est mort. Ah mais pourquoi? Ah c'est bien, tu peux faire counterspell, ça fait pas de dommage. Non, bah c'est silence, il m'envoie silence, hein, je m'en fous. Qui m'a vu? Qui c'est qui m'a mis en combat? Oh. Ah bah ça doit être le nain. Oh, eh. Ah c'est vrai que j'ai une action. Qu'est-ce que quoi? En plus, bah, du coup, ça m'a jumpé mon sort, ça m'a jumpé mon tour, les boules. Et
Attends, sonne. Paf. Ouais. What? Ah. Après toi, si t'as pas le debuff, tu peux taper sur n'importe qui, Ardin. Ah bah oui, c'est pas... Ah ouais, je peux taper des gens. Ouais, bah, ouais, ouais, tu dois pouvoir taper n'importe qui, ouais. Comment ça, il... Ah, il est immune tout croix. Adieu. Bah, il lui reste 2 PV, là, le gars, par terre. Je ne peux rien faire. Comment tu viens de dire YOLO? J'ai fait mais à chaque fois il dit YOLO. Transporteur, bon ben. T'es vas-y, y'a un truc dans le fond, j'y arrive. Non, je viens de ramasser une gemme. Y'a quoi là-bas dans le fond, là, sur la petite plaque? Y'a du feu. Y'a un squelette. Un squelette. Y'a des bougies. Ouais, ouais, un squelette. Une dague. Un os. Petit ami du tueur. Lorsque vous tuez une créature, votre prochain jet d'attaque se traduit automatiquement par un coup critique. Une fois utilisé, cet effet n'est récupéré qu'après votre prochain long repos. Je suppose que je peux donner ça au monk. Oh, ça me semble prometteur, effectivement. Attends, t'as dit quoi? Tiens, lis la bague que je t'ai envoyée. Ce sera plus simple. Ça pour un boss avec des ads, effectivement, ça peut être très très sexy. Je suis tapé où? Est-ce que je suis... Ah, je suis là. Voilà. Salut. Il y avait un TP pour faire un retour plus simple. Il y a un gros caillou. 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 Gros caillou. Alors, prochaine porte massive, bah, ça doit être l'amour de la lumière, celui qu'on a... Non, c'est pas ça. Saut de la foule, on a fait le coup du secret, je présume. Tu l'as, de toute façon, les plaques, hein, les plaques devant les salles te disent ce que c'est le truc. Moi, je vais peut-être prendre une pote, hein, parce que j'ai 2 PV, là. Ouais, moi, je vais garder l'amulette pour te soigner en fight. Parce que c'est long rest et long rest. Il est marqué son plus grand trésor. Bah ça doit être... Après de toute façon tu rentres dans la pièce et t'as le sur la map ils te mettent l'épreuve qui sera en cours quand tu seras rentré dans la pièce. Et bah en avant alors. Allez. Attendez, cette fois je viens avec léger. Vous avant que la porte se referme sur moi. C'est le pas léger. Faut lire le pas léger. Alors le pas léger... Pour ce faire, ils doivent exceller dans les disciplines de prédiction de la déesse, la discrétion, le crochetage, le désarmement et l'esquive. Comprendre de subtilité condamnée. On se demande bien qui va pouvoir effectuer ça. Je pense que c'est moi, hein. Je suis tout indiqué pour aller faire cette épreuve. Ah, tu me pisses d'art. Oh, je bin the night. Hein. Attends, je vais te nighter encore plus. Paf. Bon, bah, peut-être pas en fait. Ah, ok, donc j'avais pas fait gaffe qu'il y avait des gens machin. Alors, il faut pas se faire détecter et il faut pas déclencher de piège. J'attends. Quel taxi. Allez, j'y vais. Oh, non, mais en fait, ce qui est relou, c'est que tu vois rien. Comme tu peux pas te mettre. T'es en fufu, tu te mets en fufu et tu les vois les zones des adversaires. Oui, non mais bien sûr. Ah mais... Bon. C'est... Des trucs là. Ah mais en fait t'as mis graisse et du coup y'a un... Bon vas-y c'est bon, ça m'a gonflé. Après si tu veux j'ai un pare-chaud d'invisibilité qui est... non, que j'ai droppé dans la pièce. Au pire juste je mystique tape là-bas tu vois genre... Oh,
Et Aaron, tu dois pas avoir la visibilité. Si tu glisses, je rigole. Ah, ouais. Ah. Ça se fait jusqu'où? Bah écoute, il m'a pas vu. Ah, bon, au bout d'un moment, il m'a vu quand même. Ah, peut-être éteint les torches, je sais pas si dans l'obscurité t'es... Non, ça change rien. Tu veux que je te remette Je vois un bouton et je vois un levier. Ouais, après, si tu veux, je t'envoie le pare-chaud d'invisibilité hein, et tu traces. Mais si tu veux, j'ai des potions d'invisibilité. Hein. C'est une bonne idée. Je sais même pas si ça fonctionnera. Je sais pas s'ils ont la vraie vue, eux. En fait, ah bah je peux pas envoyer avec l'uréa parce qu'il est trop lourd. Ça, en fait ça fait chier parce qu'il y a de la graisse. La gueule du croyant. T'as pas des bottes qui permettent de déviser ça? Attends. Ah tiens, je te file les miennes. Je te file les miennes. Paf. Attends, je crois que j'ai trouvé un truc pour brain non, le truc. Non mais c'était entangle. Ah, cancel. Non, regarde. Ah non, ces bottes elles sont ultra bien vu que. Ce que je me dis avec Arda qui met des zones de glace et tout. C'est ouvert là-bas. C'est toi qui as ouvert Arda? J'ai rien fait du tout. Ah, mais c'est Katox qui a ouvert. Pourquoi il arrive pas de. Ah bon, bah attends, vas-y, si t'as ouvert, moi je vais par là. Bah eux, normalement, si tu vas relativement vite. Regarde. Faut que vous soyez en fufu, hein. Quoi faire? Voilà. T'appuies sur un bouton et tu cours. Voilà, j'imagine voilà. Il faut être rapide, furtif, YOLO. T'as le mec qui va en courant. Non, vas-y, il faut désarmer, c'était 10. Ouais, j'ai envie de crever. Ça, les froid. Pardon, je te rends tes bottes. Quoi, c'est tout? Vous avez trouvé encore une relique? Bah écoute, j'ai c'est la troisième gemme. Bon bah voilà. Du coup, voilà, y'en a une? Y'a pas. Bah attends, faut regarder. Il y a 4 épreuves. Bon, donc vous avez fait l'épreuve là? Ouais. Bah attendez, je vais la looter alors. Tu vas looter quoi? Bah y'a des trucs à looter. Bah écoute, s'il y a des trucs à looter. Ah non, peut-être pas en fait. Bah je vous laisse vous balader, je vous rejoins. Ah tu vois là, il y a un truc de désarmement. Paf. Bah, je pense que je vais enfin pouvoir cliquer sur cette fameuse gemme que j'ai activée, une espèce d'ascenseur que j'ai activé tout à l'heure. Oh. Ah en fait c'est ça, c'est faut le bloquer en fait le bonhomme. Bah il y en a plusieurs hein, dans le level en gros. Tu avais deux ou trois qui étaient en train de patrouiller dans le. Quoi? Ah, je suis en train de déclencher les pièges. Oh, bon. J'ai l'impression qu'il nous manque une épreuve là. Non, je m'en fous pas. Alléger, épreuve du saut de la foi. Ah non, l'épreuve du saut de la foi, on l'a fait. Le palais Jean, on vient de la faire. On les a tous fait. Je n'ai pas d'autres trucs d'épreuve. Quoi, le saut de la foi? Le saut de la foi, c'était le passage embrumé là. Les tuiles. D'ombre. Et du coup, mes gemmes là, ça sert à quoi? Eh ben. Regarde. Là. C'est les reliques de Kethric? Non. Non? Non, non. Attends, on a récupéré des trucs. Ah, faut que je les foute sur le truc là? Ouais, on avait un piédestal ici, regardez. On avait un truc avec des bouboules violettes. Ah, allez, j'ai cliqué. Et là, on est. Regarde. Paf! Y'a un Katox sauvage qui est sur la plateforme. Allô? Oui. Ouais. Mais attendez, parce que vous lui avez parlé au piédestal, on a fait ça la dernière fois, c'est ça? Mais regarde, là où Katox est, le plateau qui était dans la main de Char est arrivé jusqu'à notre destination. Et t'as un truc qui s'appelle gemme de traversée. Non, alors. Bougez pas, j'arrive! Non, donc je répète. Mon point, c'est pas du. Ça, je fais depuis un moment qu'on peut cliquer là-dessus. C'est plus, moi je viens de choper des boules de bowling là, qu'est-ce que j'en fais? Je me les mets dans le fion ou... Bon, mais... Alors tu peux, mais on en aura besoin à un moment. Ok. Ça doit être spécial à regarder. Hein.
Ah bah, ça doit être... C'est ça, on est sur plateau, il y a longtemps. Ah, c'est la boîte qui est en train de faire une... truc improbable. Ah bah c'est là, ok, il manque 3 boules sur le truc. Bah voilà. C'était une petite énigme, ma foi, fort sympathique. Après tu vois genre dans les époques j'aurais bien aimé que ce soit des genre des mini boss des trucs un peu plus velus. Donc, bon, non mais pas spécialement mais enfin ou des trucs un peu plus cassettes. Je trouve que les après oui et non en soi les énigmes les premières fois où tu les fais tu te casses pas trop la tête ça va encore. Ouais. Et la lumière s'éclaire sur notre chemin. Ah, alors là, ouh, on commence les choses sérieuses. Ah, TP. Don de miséricorde. Il y a un ancien cercle de symboles ici. Ah bah voilà. Safely. On va pouvoir par contre stopper l'épisode ici. Pourquoi les trois dons là? Pourquoi t'as le don secret, le don de... Je sais pas, c'est un petit rappel de ce qui se passe. Et on je fait pense des bisous que c'est à tout en monde. Lien avec les bouquins que j'ai. Des bisous. Ah, ça marche cet épisode. On vous laisse sur un cliffhanger de taré. Des bisous.